Tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé et en même temps, vu qu'on est en confinement, voilà, je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous peut-être d'avoir un peu plus de contenu. Donc je vais essayer dans ces prochains jours de vous faire un peu plus de vidéos que d'habitude. Voilà, les mises en ligne, je sais pas encore, bon, de toute façon ce sera mercredi, vendredi sûr. Peut-être durant le week-end aussi, pour vous faire passer le temps et tout ça. Bon, voilà, bien que voilà, on essaye de pouvoir s'occuper. Bon, bien que moi, ça ne change pas grand-chose puisque je fais toujours les mêmes choses que d'habitude. Je m'occupe de mon chez-moi, du blog et tout ça, des paperasses et tout. Et je vais juste voir mon papy le midi, manger avec lui vite fait, faire un petit brin de ménage et tout ça parce qu'il en a besoin. Je vais sortir mon chien et voilà, et après je rentre chez moi, donc voilà ma vie. Donc c'est pas, voilà, pour moi il n'y a pas vraiment de grand changement à part le week-end. Donc le week-end c'est vrai que j'avais plus l'habitude de sortir et là ça fait bizarre quand même. Bon, sauf que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est la My Little Box du mois de mars, donc c'est parti. Alors nous avons une petite carte, la vie ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé, d'Alfred Hitchcock. Donc voilà, avec des petits dessins fleuris, tout ça. Et nous n'avons pas eu une box, enfin en boîte, en carton, on a eu une trousse qui est super jolie, j'aime beaucoup, elle est réversible. La couleur, j'aime beaucoup. Et le contenu, donc j'ai déjà regardé un petit peu et voilà. Donc, en goodies, nous avons un bracelet inspirant, chute de coton et médaille inspirée. Donc, c'est un petit cordon et il y a une petite petite pampille où il y a marqué Breath. Et Breath, il me semble que c'est respire. Donc il est comme ceci. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Personnellement, je suis pas hyper fan du coton, comme ça, bracelet coton. C'est vraiment, je suis pas fan du tout, mais donc voici ce que ça donnerait attaché. Je sais pas, à voir. On verra bien ce que ça donne. Autre goodies, donc nous avons eu une protection hygiénique, donc un tampon. Donc c'est la marque Gina, des serviettes et tampons clean en coton 100% bio, certifié Gold par EcoCert. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi personnellement je suis pas très tampon. Après chacun, chacune plutôt fait comme elle se sent. Mais voilà, je suis pas. Voilà. Je vais quand même le garder si jamais je dois aller à la piscine ou autre. Mais voilà. Dans tous les cas, j'aime beaucoup ce type de principe. On a une offre à moins 50% sur la première box de la marque Gina, donc pour choisir tampon, serviette ou un peu des deux, voilà. Donc avec le code MyLittleBox, je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite, autre produit, donc on a une pâte purifiante nettoyante anti-imperfection de la marque Garancia, voilà, qui est comme ceci. Donc c'est vraiment un full size, ça fait 150 grammes et donc ça va vous donner une peau purifiée, matifiée, détoxifiée, nettoyée en profondeur au niveau des pores et tout ça. Donc personnellement là je cherche plus que l'hydratation, nourrir la peau parce que vous voyez ça reprend de plus belle. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où c'est un carnage. Et donc je vais voir, je vais peut-être juste l'appliquer vraiment sur les gommes, je ne suis pas rouge, et me faire un masque où je suis, où j'ai besoin de nettoyage. Ensuite,
On a un gel douche de la marque Le Coty Marseillais concentré. Donc voilà, et c'est une formule à la menthe bio. C'est une formule un peu compressée comme les déodorants en fait. Donc normalement vous n'avez pas besoin d'une tonne de produit pour vous laver et tout ça. Donc à la menthe bio, je trouve que ça serait plus... Ah, ça sent super bon. J'adore. Et donc je crois que ça sera plus sympa de l'utiliser durant l'été. Je trouve. Mais ça correspond bien au thème un peu printanier, fraîcheur et tout ça. Ensuite, un autre produit, donc là c'est la marque My Little Beauty. C'est un masque hydratant et révélateur d'éclat. Donc voilà, pour 10 minutes de pause. Réalisé avec des extraits d'acide de fruits et de miel qui va hydrater tout ça, donc parfait pour moi en ce moment. Donc voilà, prenez soin de vous quand on est en confinement. C'est vrai que des fois on n'a pas le temps, et là vraiment prenez justement le temps de prendre soin de vous, de vous faire des masques et tout ça. Voilà. Ensuite on a une petite boîte où il y a marqué coup de frais brosse nettoyante très douce de My Little Box, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc, il faut préparer sa peau, donc soit démaquillée et humide. Appliquer une noisette douce, une noisette de nettoyant doux, on va y arriver, sur la brosse. Nettoyer du centre du visage vers l'extérieur. Passer la brosse en mouvement circulaire. Rincer votre visage, puis rincer la brosse et sécher à l'air libre. Alors, j'en avais déjà eu une comme ça. C'est vrai qu'au début je l'utilisais, après je m'en suis vraiment lassée parce que il faut vraiment avoir l'habitude de l'utiliser tout ça. Donc elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup la matière dont elle est réalisée. Elle est hyper douce, mais je l'essaierai quand même, je pense. Je vous en ferai un article et tout ça sur le blog. Mais en tout cas ouais, elle est hyper douce. Voilà. Et donc le but c'est vraiment de nettoyer en douceur votre visage, de pas trop l'agresser avec des picots et tout ça, parce que ça va plus l'agresser, du coup elle va se défendre plus qu'autre chose. Donc voilà pour ça. Et du coup on a la petite trousse comme je vous disais au tout début. Donc voilà pour cette box. Je pense que je vais utiliser tous les produits, sauf peut-être le petit bracelet. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, si je vais garder juste le petit médaillon ou pas. Mais voilà, sinon tous les autres produits, le gel douche, ça sert toujours. Le masque hydratant, je pense que dès que je vais éteindre la caméra, je vais m'en faire un. La pâte purifiante nettoyante anti-imperfection, ça aussi, ça sert toujours et je m'en servirai. La brosse, je vais m'en servir aussi. Le tampon à l'occasion, donc ça je pourrais même pas vous en reparler de suite parce que c'est un produit que quand même j'évite. J'évite donc par rapport à l'endométriose et tout ça. Enfin, j'ai pas mal de problèmes au niveau gynécologique, donc je vais pas tenter le diable. Voilà, il n'y a que le bracelet que je sais pas, mais voilà. Dans tous les cas, c'est une très jolie box. Je trouve qu'elle est très bien réussie, elle est très bien dans le thème aussi. Et ça fait un peu nettoyage de printemps, fraîcheur et tout ça. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.